marchait complètement. J'en fais pareil le soir. Hein? Les premiers trucs qu'ils filmaient, après, on était tout crispés, je sais pas comment. Qu'est-ce que t'aimes comme parfum là-bas? La banane, c'est dégueulasse. Arrête. Apricotine, j'aime. J'aime bien la vanille. Je me suis commandé ça. Voilà. Et puis, non, ça me sent pas. Je suis d'accord, mais j'ajoute le cartel qui sort d'eau. Des saucissons, ça sort quoi? Enfin, vous voyez. Je vais des contrôles de neuf. Ce soir, un ange passe dans la nuit de Noël et l'on voit sur ses traces comme un reflet du ciel. Du fond du ciel immense, l'ange resplendissant à travers le silence sur la terre descend. Le bel ange s'arrête et dit au tout petit que vos cœurs soient en fête, c'est Noël aujourd'hui. On m'appelle Nero. Attention, départ. On m'appelle Nero Rouge, ah, comme il était mignon, le petit renou Nero Rouge. Rouge comme il est mignon, soutenez le verre, chacun son mot que vous voulez. On allait jusqu'à dire qu'il aimait voir un petit coup. Il n'a fait qu'il entendait pleurer dans le noir. Vous voulez consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange Nero Rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton tenue rouge, le chariot du Père Noël. Vous fillettes et garçons, dans la grande nuit, retenez bien vos leçons. Et quand sonnera minuit, ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nid de Nero Rouge, à notre Père Noël. Ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nid de nez rouge, à mon sang fermant. Voilà. Oh, j'ai de droit. Il sera bon. Damien, 32 ans, est un industriel. Grand, costaud, bon vivant, mais très engagé professionnellement. Il lui reste en fait que très peu de temps pour vivre une vie privée. En plus, il est assez réservé et il faut le sortir de sa coquille pour découvrir un homme charmant qui a le sens de l'humour et du dialogue. Damien voyage beaucoup. Sa future partenaire pourra l'accompagner si elle veut. Elle habite à la campagne, dans un très beau domaine. Il faut qu'elle aime la nature, les animaux et s'occuper d'une belle maison. Bon, j'écoute. À 27 ans, très mignonne, petite, fine, des cheveux noirs et des yeux verts, des traits réguliers et un beau sourire, très active et dynamique. C'est une fille qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, ça c'est juste. Exigeante, intelligente, spontanée, franche, mais aussi nature, terrienne, gaie, tendre, affectueuse. C'est fini là. Josiane est une grande sportive, elle pratique la haute montagne, fait du basket, ski, natation, elle aime les enfants, les animaux, s'occuper d'une maison. Françoise, elle a de longs cheveux noirs, des yeux en amande, un joli corps, elle est active, bosseuse, sportive, elle fait du golf à Cromontana, de la marche, de la natation, elle s'intéresse aux arts, cinéma, théâtre, lecture, exposition de peinture, elle aime la bonne cuisine, en particulier les raviolis, recevoir des amis, elle rêve de créer une famille avec un homme cultivé et intelligent, qui aime rire, le dialogue, les voyages, un homme tendre, franc, fidèle, un homme pour qui les valeurs ont encore un vrai sens. Gervaise a 33 ans, elle a un bon job, mais elle se sent plutôt une femme d'intérieur et voudrait trouver un partenaire qui a envie de créer une famille. C'est une fille naturelle et simple. Elle aime rire,
recevoir des amis chez elle, de faire de bonnes petites bouffes, particulièrement les raviolis, discuter. Oh, ouais, ça, elle n'est pas très sportive, mais elle se laisserait volontiers pousser un peu. Son prince charmant n'existe pas. C'est un homme naturel, intelligent, qui aime son travail, la nature, les voyages. Un homme aux larges épaules et au large ventre. Oh ah, t'as changé, t'as de me payer. Pour quel temps victime, Damien, tu vas voir. Oh, pas... Tu veux du gel? Oh, je joue pour une fois que tu passes à la télé. Tu veux du gel? Et à retourner? Oui. Non, ça joue. Et là, le cas numéro 2 de la télé en Suisse. Gérard. À 46 ans, un bon physique, taille moyenne, bonne présentation, soignée, habillée avec recherche, une profession technique, une bonne situation, des intérêts multiples. Gérard ne manque que d'une chose, la femme qui lui fera oublier l'échec douloureux d'un premier mariage, le rêve refaire sa vie. Construire sur des nouvelles bases, aimer, chérir, partager. Vous êtes sensible, généreuse, un peu sportive, peut-être vous avez un enfant avec vous, prenez contact, Gérard vous attend. Allez, recommence. Bon, blond, aux yeux bleus, à 42 ans, 36. Il est encore super sportif. Pratique la course à pied, le ski, les randonnées, la gym et le football. Hervé a un bon métier. Il vit à l'aise grâce au travail de sa femme. Grand bricoleur, il sait tout faire de ses mains. Adore faire la cuisine, la vaisselle, jardinier, s'occuper à la maison. Ce n'est pourtant pas un casanier. Il aime les voyages, la photo, sortir, voir un bon film. Il aimerait refaire sa vie avec une femme active, sportive, ouverte d'esprit. On sera arrivé pour demain soir. On partira de l'après-midi. L'après-midi.
Oh, j'ai une sale coiffure, moi. C'est facile, je me suis réveillée à moitié. Ouais, première prise. Première prise. Action. Tu veux pas faire le Jannick, c'est trop. Hein? Oui. Tommy, y'a du Jacques, tu as fait tomber la salade au pied. Nicolas, tu peux filmer. Nicolas, tu non. Arrêtez quand tu veux. Ça veut dire quoi, c'est le lumière rouge? C'est la lumière rouge, il faut pas raconter de conneries. Et les prises, on sait pas qui c'est. C'est bien ça. Non, toi, c'est rien. On te regarde là. Claudie, elle est là. Je vais pendant que je prends les caméras de discours. Pendant que je discute. Pas trop mal, amène dans les films. Ah, à François, c'est bon. Allez, allez, François, raconte-nous quelque chose. Stop. Stop. Après, arrête de presser. Alors santé. On est en train de manger. Attends, serre-toi, je tiens. Ah bah merci, hein, c'est bien. Et puis, bonne heure. Demain midi, j'ai du boulot. Alors que je vais niquer. Bonne heure, c'est juste que ça. C'est parti.
Thank you.
Quand tu fermes un œil, écoute-moi, je t'ai dit, on m'a regardé des deux yeux. Je pensais. Café au. On va à Quand la sonde est mettée dans la main.
Ça va ralentir.